on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture d'enveloppe. C'est une petite commande que j'ai passée sur la boutique de Maric, donc la boutique Maric Scrap. Elle fait des die-cuts, des stickers, des albums. Et du coup, moi j'étais en train de réaliser un album, un mini-album. Je vais vous le montrer rapidement. Un mini-album comme ceci. Où là, de ce côté-là, j'ai mis des cartes étapes. Donc ça, je vous les avais fait en tuto. Des cartes étapes. Et ici, j'ai fait un mini-album pour y mettre les photos de grossesse. Donc un mois, deux mois, etc. Ici, je voudrais mettre un die-cut, première échographie. Enfin voilà. J'avais mon idée en tête, sauf que je n'avais pas les die-cuts. Et du coup, j'ai pensé à Maric. Je me suis dit, je vais lui envoyer un petit mail pour lui demander si elle pouvait me faire des die-cuts avec donc un mois, deux mois, etc. D'autres mots que je lui ai demandé. Elle m'a dit, pas de souci, elle me les a fait. Et donc, du coup, les die-cuts que je vais vous montrer seront sur sa boutique. La boutique, je vous la mets en barre de description pour aller jeter un petit coup d'œil. Donc, on va découvrir ensemble les petits die-cuts. Hop, hop. Ok, alors j'ai déjà une petite boîte. Donc, cette boîte, c'est des boîtes à bougies. Hop. Ici, donc j'ai un petit cadeau. Pour cette commande avec plaisir d'offrir, donc impeccable, une petite boîte à bougies. On a ensuite une petite carte de remerciement. Hop, vous avez ensuite donc la facture. Non, c'est pas la peine. Et du coup, je lui ai commandé alors 2, 4, 5 produits, mais j'ai commandé, voilà, donc ça c'est les die cuts que moi je lui ai demandé. Et j'ai ensuite commandé des die-cuts première fois. Donc, je vais vous montrer ce que moi, je lui ai commandé. Donc, vous recevez ça dans une petite pochette transparente. Donc, les emballages aussi, c'est elle qui les fait elle-même. Enfin, la feuille à l'intérieur avec die-cut naissance. Donc, j'ai 13 pièces. Comme ça, une fois que maintenant je les ai reçues, je vais pouvoir mettre ça dans mon album et le fignoler un petit peu. Alors, hop. Donc, nous avons, je vais peut-être mettre ça derrière. Donc, comme je vous ai dit, mon album, il y a les cartes étapes. Et du coup, ici, je vais mettre sur l'album directement les petits die-cuts. Les petits die-cuts qui vont jusqu'au 9e mois. Hop. Jusqu'au 9e mois. Ici, voilà, donc là, vous avez tous les die-cuts. Ensuite, voilà, donc la première échographie, ici. Vous avez celui-ci. Vous avez, j'ai demandé aussi, donc 9 mois à t'attendre. J'ai demandé 1 plus 1 égale 3 et première rencontre. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez dans ce kit, on va dire, de die-cut, donc spécial naissance. Le prix, je vais vous les donner tout de suite, que je ne vous dise pas de bêtises. C'était à 3,45€. Donc les die-cuts sont à 3,45€ sur la boutique de Maric. Voilà, donc ça, c'est nickel. Alors du coup... J'avais déjà pensé, alors première échographie par exemple, je vais pouvoir la mettre ici. Peut-être que là, vous voyez ce genre de choses, hop, 9 mois à t'attendre. Après je mettrai les autres mois. La dernière ça fait première rencontre et 1 plus 2 égale 3. Donc voilà, j'ai déjà ça, donc je suis contente comme ça, je vais pouvoir fignoler cet album-ci. Je vous ferai un petit tuto hein, de cet album, mais j'attendais de recevoir mes die-cuts pour pouvoir fignoler, tout, comme je vous ai dit, ce petit album. Donc ça, c'est nickel. Donc comme je vous ai dit, j'en ai commandé 3 parce que je vais m'en refaire un autre, et un d'avance, puisque voilà, si jamais j'ai envie d'en faire un autre, au moins je suis sûre.
Et ensuite, je lui ai commandé donc des die cuts première fois. Là, j'ai 17 pièces. Donc, on va les regarder ensemble. Hop, alors, nous avons mon premier éclat de rire, mes premiers pas, ma première photo avec papa, ma première photo avec mon doudou, mon premier jour. Je pourrais même peut-être cumuler les deux. Je vais voir. Donc, ma première tétée, ma première photo de famille, mon faire-part de naissance, mon premier Noël, ma première photo avec maman, ma première mèche, mon premier anniversaire, mon premier biberon, mon premier sourire, ma première dent, ma première photo et ma première sortie. Donc, vous avez tous ces die-cuts-ci. Donc, je ne dis pas que peut-être je vais les cumuler avec pour mettre dans ce mini. Genre ma première photo. Bon, ça, il faut que j'y réfléchisse. Je vais voir ça. Je vais finuler tout ça. Et je vous montrerai ça. Je vous montrerai le rendu de ce petit mini album. En tout cas, ouais, je suis très contente d'avoir reçu tout ça. Ça va pouvoir fignoler, comme je vous ai dit, tout ça. Bon, bref, du coup, je vous mets en barre de description, comme d'habitude, le lien de sa boutique. Alors, vous avez plein d'autres die-cuts hein, sur Noël. Je crois qu'elle avait fait sur Noël aussi. Enfin, il y a plein de choses. Il n'y a pas que les die-cuts. Hein. Alors, j'avais commandé aussi là, j'en ai encore, mais vous voyez ce qu'elle fait aussi avec mon nom dessus, enfin moi mon nom de chaîne. Et j'ai, il me semble, les mêmes die cuts. Donc ceux-là, je crois que c'est ceux-là la première fois en cette version-là avec du papier calque et le contour comme ça. Donc là, il m'en reste encore. Mais il faut que je m'y remette. Et là, pareil, j'ai des étiquettes comme ça, 9 mois à t'attendre. La vie est belle, mon premier anniversaire, etc. Donc, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de travail avec tout ça. Il faut que je trouve des papiers qui vont avec. Donc voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous laisse aussi regarder en barre de description pour voir la chaîne de Marik et la chaîne YouTube aussi, hein, si vous ne la connaissez pas, Marik Scrap. Je vous mets tout ça en barre de description, de toute manière. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.